L'homme commence à comprendre la vie lorsqu'il commence à vivre de la pénétration de l'esprit dans le double. Sinon, l'esprit est obligé d'exercer son pouvoir créatif à travers le plan mental inférieur, et cette condition n'est pas suffisante pour l'homme car les pensées sont tellement alourdies par les basses vibrations du corps astral qu'elles deviennent subjectives. Et si l'homme vit sa vie mentale subjectivement, il ne peut bénéficier du pouvoir créatif de son esprit à l'intérieur du double. Donc, il est obligé de se servir de sa mémoire pour se donner conscience mentale. Et comme cette mémoire est liée à l'expérience de l'âme, il ne peut jamais comprendre parfaitement les lois de sa vie. Il lui est alors impossible d'être heureux en esprit. Il ne peut être heureux qu'en conscience astrale. Et ce bonheur est assujetti à des hauts et à des bas, car les événements de sa vie ne sont pas sous le contrôle de son esprit, mais de son âme. Et alors, il ne peut parfaitement contrôler sa vie, sa destinée, car son intelligence karmique n'est pas suffisante. Il a besoin d'une intelligence libre qui est le produit de la pénétration de l'esprit dans le double. Le double lumineux, une fois formé, coïncide avec tout ce que l'homme peut désirer, car il est alors le nouvel homme à l'intérieur de l'homme matériel. Et alors l'homme déastralisé n'a plus l'illusion d'être seulement matériel dans sa conscience, il prend conscience de lui-même sur un autre plan, et il peut commencer à être heureux sur quelque plan que ce soit, car il n'est plus abstrait dans sa conscience. Elle est devenue concrète par le fait que la lumière de son esprit est présente dans sa contrepartie éthérique. Il se souvient instantanément de tout, car il est le produit d'une totalité. Auparavant, il se souvenait seulement du matériel d'expérience astrale, maintenant il se souvient à un autre niveau, d'où son pouvoir accru de connaissance que nous appelons le savoir. Pouvant se souvenir de tout, c'est-à-dire pouvant être créatif, car l'esprit devient son intelligence, il ne se sent plus en dehors de lui-même. Il se sent en lui-même. Il se sent lui-même. Mais ce lui-même est personnel, c'est-à-dire qu'il est le produit du lien entre le double et l'esprit. L'homme n'a plus à se sentir seul vis-à-vis la vie, il est bien dedans, les deux pieds fixés dans une conscience totale. Il n'a plus à rechercher quoi que ce soit, car tout est là en lui. Le double est très important, car c'est lui qui exécute l'esprit. Et lorsque l'esprit a pénétré le double, ce dernier devient l'homme nouveau. Tant que ce stage n'est pas atteint, l'homme a l'impression d'être quelque chose ou quelqu'un, mais en fait, il n'est personne, car pour qu'il soit quelqu'un, une identité, il faut que son entité ait liaison avec le double. Sinon, il n'est qu'un être étranger à lui-même, ce qui est à la base de sa recherche personnelle. Voilà pourquoi il est si important que le double humain soit rendu lumineux, qu'il soit habité par l'énergie de l'esprit, ce que nous appelons fusion. La fusion n'est pas, selon certains écrits, le rapport entre l'ajusteur de pensée et l'âme. Cette explication n'est qu'une explication philosophique qui naît de la science astrale, plutôt que de la science mentale. Lorsque l'homme comprendra ou sera dans la science mentale, il verra plus loin que
que l'autre. Et de ce fait, pourra mieux comprendre le phénomène humain, car déjà il sera homme total. Pour bien et parfaitement comprendre le phénomène humain, il faut être total dans sa conscience humaine. Ceci va de soi. Ce n'est pas par les voies de l'astral que l'homme comprendra le phénomène humain, puisque ces voies ne sont pas celles de l'esprit, mais d'entités désincarnées ou d'âmes qui sont en voie d'évolution. Ces entités les plus évoluées peuvent renseigner l'homme sur certains aspects de son évolution, mais ces renseignements sont toujours sujets à leurs propres limitations. Donc, seul l'homme, dont l'esprit est dans le double et dont le double est lumineux, peut voir à travers les renseignements donnés à l'humanité par les voies astrales. Car il n'est plus assujetti aux ombres de ces voies, puisqu'il n'y a pas d'ombre dans l'esprit. C'est l'ombre dans la conscience humaine qui a toujours empêché l'homme de savoir par lui-même. C'est pourquoi les religions et les philosophies mystiques ou cosmogenèses ont été un grand support psychologique pour l'être humain. Mais l'homme, un jour, entrera dans la science mentale qui est le produit de la pénétration de son esprit dans le double matériau-vital. L'homme doit comprendre comment il est composé, non pas seulement d'une façon philosophique, mais réellement, car la philosophie demeure toujours une voie astrale. Tout est bien ordonné et compréhensible dans l'univers et cette compréhension relève du domaine de la science mentale, c'est-à-dire du pouvoir créatif de l'esprit à travers le pouvoir exécutif du double pour le bénéfice de l'homme de l'ego. Tant que l'homme sera impuissant à utiliser son double, il ne pourra expérientiellement comprendre les structures de vie dans l'invisible, telles que le lui explique l'esprit. Donc, il sera obligé de comprendre selon l'esprit, sans pouvoir comprendre selon les sens du double. Autrement dit, il ne verra pas ce qu'il connaît. Mais un jour, la transmutation du corps astral terminée, il sera libre d'utiliser son double rendu lumineux, comme aujourd'hui il utilise sur le plan matériel, dense, son corps physique. D'ici à ce que l'homme ait été à ce point transformé en conscience, il doit réaliser que l'ordre universel dépasse ses conceptions philosophiques et que cet ordre fait partie de son pouvoir de vie. C'est-à-dire qu'il doit en arriver un jour à y participer consciemment. L'esprit est lumière, donc l'esprit est intelligence. Le double lumineux devient donc volonté. Pour que l'être humain connaisse les trois grands principes de vie, l'intelligence, la volonté et l'amour, il doit être élevé en conscience vibratoire. Il doit avoir conscience totale de son esprit, de son double et de son corps matériel à la fois. Reconstitué tel qu'il doit être, il peut être ce qu'il n'a jamais été, un être cosmique, un être en équilibre parfait avec la nature visible et la nature invisible. Tant qu'il y a de l'ombre dans la conscience humaine, qui se traduit par une sorte d'incapacité d'être parfaitement heureux, l'esprit n'est pas totalement intégré au double. C'est cette absence d'intégration qui force l'homme à rechercher le bonheur subjectif que lui offre l'astral. Malheureusement pour lui, il réalise très vite que ce bonheur n'est pas total, car il n'est pas issu de l'équilibre de tous ses principes, de toutes ses énergies. Alors, il peut être heureux et malheureux. Il ne peut jamais être parfaitement heureux tout le temps. Car pour être
sans souffrance, il faut que le double soit habité, qu'il soit lumineux, et ceci requiert la transmutation des énergies de la mémoire astrale. Mais lorsque l'homme commence à comprendre l'ordre selon lequel il est organisé, sa substance astrale change, car elle est obligée d'absorber certaines énergies de haute vibration qui déjà servent de matériel ou de force transmutative. L'ombre astrale se diffuse petit à petit et l'homme commence à vivre des moments, au début très courts, où il est libre de cette ombre. Mais bientôt, l'ombre se fait sentir à nouveau, car tout en lui n'est pas lumière. Il suffit qu'un événement surgisse dans sa vie pour qu'il se voie encore piégé par cette ombre de l'astral. Et ceci dure un certain temps, car l'homme ne peut être sans ombre instantanément, à moins qu'il ne subisse fusion instantanée. Donc, il lui apparaît que la conscience réelle est loin, lorsqu'en fait, elle est près de lui, car déjà son double devient lumineux. Le processus est commencé. Il n'a qu'à attendre que se termine le travail de l'esprit. Mais le fait de savoir que ce travail se fait lui permet de le mesurer consciemment et graduellement. Et c'est ici qu'il commence à sentir qu'il change, donc qu'il devient plus conscient, donc qu'il devient plus lumineux dans son double, donc que l'immortalité de sa conscience n'est qu'un facteur de temps et non de désir spirituel. On a tellement parlé de l'âme dans le passé qu'on a perdu la notion de l'esprit et du double. L'homme a été écarté dans sa recherche, mais déjà cette dernière a servi à rendre plus subtile l'énergie ou la matière astrale pour que la fusion prenne place en lui. L'être humain est multidimensionnel dans ce sens qu'il peut réaliser lorsque son double est lumineux, que les corridors de l'astral sont des voies réservées à ceux qui ne peuvent survivre les conditions terribles d'une planète qui doit être élevée dans sa conscience globale. Les corridors de l'astral sont contrôlés par des êtres qui ne relèvent pas dans leur fonction du monde de la lumière de l'esprit, mais qui relève du monde astral des ténèbres. Et l'homme, sans un double lumineux, n'a pas de choix que de se retrouver un jour dans ces mondes, dans ces corridors, où la loi est régie par des intelligences qui sont l'aboutissement de la domination parmi le monde des sphères, des globes. L'être humain transmuté ne peut être soumis à ces intelligences, car il est libre de leur influence, puisqu'il n'est pas régi par personne, par aucune intelligence autre que lui-même. Donc, il sait exactement où il en est vis-à-vis ces mondes, il peut les visiter s'il le désire, mais ne peut obtempérer à leurs commandements ni à leur domination. Il est libre. La mémoire subjective astrale n'est plus un obstacle à sa vision, car son esprit est lumière, donc son comportement dans ses corridors, dans ses sphères, sur ses plans, est toujours en fonction de lui-même et non en fonction d'une intelligence quelconque. Il faut bien comprendre la différence entre une intelligence et l'esprit de l'homme. Une intelligence est toujours une entité qui utilise sa mémoire pour le dominer.
tandis que l'esprit de l'homme, c'est l'homme lui-même, sur un plan ou dans un monde de lumière, qui ne possède pas d'ombre. Voilà pourquoi l'intelligence de l'homme-esprit est une intelligence pure et non une intelligence astrale ou une intelligence planétaire.